Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que tout le monde va bien, moi c'est pas le cas. Nous sommes aujourd'hui lundi. Nous sommes lundi, je crois. Parce que je pensais avoir rendez-vous chez le dentiste cet après-midi, et non c'est demain. Et j'ai annulé mon rendez-vous parce que je suis pas en très grande forme aujourd'hui. Donc on est lundi 30 mai 2022 et il est 19h47. Donc je suis levée depuis bonne heure ce matin à cause de mon nez. Vous pouvez l'entendre à ma voix. J'ai le nez bouché. J'ai mal à la gorge. J'avais la gorge qui me brûlait hier. Ça fait déjà 2-3 jours que j'ai la gorge qui me brûle. Et puis là, j'ai plus de Coludol. J'en ai pris pendant 2-3 jours, ça s'est passé un petit peu mieux. Et comme j'en ai plus depuis hier matin, les brûlures de la gorge sont revenues. Donc je finis le tube de l'isopaïne que j'ai, ça me calme un petit peu. Parce que avec le mal de tête et la tête qui tourne, je peux pas sortir, c'est pas prudent que je sorte. Je suis juste sortie pour descendre mes poubelles en bas de chez moi. Mon voisin m'a appelé parce qu'il avait encore un sac de nourriture alimentaire à me donner. Faut que je me fasse inscrire, j'ai rempli le papier. Donc du coup, j'ai appelé le dentiste et j'ai repoussé mon rendez-vous. Elle m'a fixé un rendez-vous pour le mercredi 8 juin à 15h. Et là, j'ai vidé 2 poches de mouchoirs comme ça. Et j'ai taxé aussi dans mon rouleau de sopalin. Alors, le 8 juin, ça tombe... Une, deux, trois, quatre, cinq jours la première semaine. Au mois de juin, la première semaine, il y a 5 jours. Et la dernière semaine, il y a 4 jours. Donc, ça fait 9 jours. Donc, ça fait qu'il reste, il y a 4 semaines dans le mois. Donc, le 8, c'est bien mercredi. J'ai rendez-vous à 15h. Le 10, c'est mon anniversaire. J'espère que j'irai mieux d'ici là. Et le magasin Action à Verneuil, logiquement, il ouvre. Il aurait dû ouvrir au mois de mai. Mais il y avait quelques petites réparations à faire, quelques petites modifications, et puis c'est un ancien Lidl, donc ils ont été obligés de, partout où il y avait les congélateurs, l'emplacement des congélateurs et des trucs réfrigérants, des trucs frais, là où il y a le jambon blanc, le beurre et tout ça, ils ont été obligés de tout refaire. Et il ouvrira le 3 juin, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de problème, le magasin Action à Verneuil-sur-Avre, à 12 km de chez moi, ouvrira le 3 juin. Parce que j'avais demandé au copain de mon fils pour m'emmener à celui-là d'Evreux, parce qu'à côté, il y a Ziman. Mais là, je viens de regarder des vidéos, mais les prix des plantes de laine, à Ziman, qu'est-ce qu'elles ont monté. Donc, j'irai aux actions de Verneuil, j'irai en bus. J'en ai parlé au copain de mon fils. Mais lui, tu voulais pas aller à celui-là d'Evreux, je dis si, je vais d'abord aller moi toute seule avec le bus à celui-là de Verneuil. Si je trouve pas ce que je veux, je te le redirai et on verra dans le week-end, si c'est possible, parce que moi, mes allocations, elles arrivent le 6. Le 6, ça tombe quand déjà, je sais même pas. Le 6 tombe un lundi, donc j'aurai pas les... Ah c'est le lendemain de la Pentecôte en plus. Le dimanche 5 juin, il y a la Pentecôte. Le lundi 6, c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte. Donc, j'aurai pas les sous avant le 7. Mon anniversaire est le 10. Et je voudrais aller. Le 8, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc, je peux aller aux actions que le jeudi 9 ou le vendredi 10. Et si je trouve pas ce que je veux aux actions sur une de ces deux journées, le samedi 11, je demanderai au copain de mon fils, pardon, qui m'emmène à celui-là d'Evreux. Ou à celui-là de Conche, je verrai. Voilà, donc désolé pour ma voix, désolé de ne pas vous avoir fait de vidéo ces jours-ci. Vu que je suis incapable de faire certaines choses quand je suis comme ça, j'avais sorti ma toile le lutin sur son livre, ma toile diamant painting, le lutin assis sur le livre. Je l'ai posé là et j'ai dit non, c'est même pas la peine parce que faut que je m'appuie sur ma table, mais je vais être penchée en avant comme ça, ou même ne serait-ce que mettre ma tablette lumineuse sur mes genoux. Mais ça va me fatiguer. Donc j'ai dit c'est pas la peine. Tout ce qui est diamant painting, ça va pas être c'est pas la peine pendant les prochains jours, jusqu'à temps que
j'aille beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai travaillé un peu ce matin sur ma broderie point de croix. J'ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. Je vais vous montrer les parties que j'ai faites. Alors, il y en a une ici que j'ai terminée. J'ai terminé ce coin-là, ici. J'ai fini celui-ci. Je l'ai hyper pris. J'avais encore un peu de vert ici à faire, mais je ne l'ai pas fini parce qu'il y a encore une couleur là à mettre. Je finirai ça après quand j'aurai fait toute cette partie-là. Donc, j'ai fait un petit peu de... j'ai fait un petit peu ici, là, dans le jaune. J'ai fait le jaune ici. Je crois que c'est tout. Je sais plus. J'ai fait du jaune ici. J'ai fait un petit peu de marron là. J'ai fini la partie que j'avais à finir ici. Mais il me semblait que j'avais fait du orange. J'avais fait une autre couleur. Désolée pour mon nez. Voilà. Hier, j'ai bouché un petit peu toutes les parties qu'il y avait à boucher ici. Là, je sais que j'ai encore une couleur ici à mettre ici, juste ici, j'ai une couleur à mettre. Je le ferai demain quand il fera meilleur, parce qu'on a eu du soleil, mais pas sur mon canapé déjà. Donc du coup, là ici, je travaille pour finir toute cette partie-là. Parce que vous voyez, ici, ah Ruby, ici, je me suis arrêtée là. Voilà. Et ce symbole-là, c'est ce qu'on retrouve ici, sur le côté. Et comme c'est du violet foncé... Ben, j'y vois pas pour le faire le soir. Voilà, parce que là, il faut que je regarde avec la loupe. Hein. Pas louper les mailles, enfin les croix. Et ben, du coup, j'ai arrêté de faire ici. Parce que je me sentais vraiment pas bien. Donc, du coup, j'ai toute cette partie-là. À partir, j'ai cette partie-là violette à finir. J'ai la partie bleue et toutes ces parties-là. Faudrait que je descende au niveau. Faudrait que je descende à niveau. Alors là, on voit plus, vous voyez. Ici, on a des petits traits qui forment les petits carrés et des cases qu'on doit faire, mais on les voit à peine. Dans les couleurs foncées, on ne les voit pas, les petits traits qui délimitent les cases 10 sur 10. On les voit que sur les, vous voyez, les petits traits là, on les voit que sur les couleurs claires. Ces petites cases là, ces petits traits là, ici, là, on ne les voit pas sur les cases foncées. Ici, sur la orange, on la voit, mais très peu. Et dans les couleurs foncées, on ne la voit pas du tout. Donc c'est difficile pour moi pour me limiter une case par case ou trois cases par trois cases. Toi, tu descends, tu arrêtes. Parce que dans les couleurs claires comme ça, ici, j'ai pu commencer à faire case par case. Ici, je vais faire case par case, hein, partout dans les parties jaunes. Dans les parties bleues claires aussi, je vais faire case par case. Dans les oranges, je vais essayer de faire ce que je peux. Partout où je vais voir les petits traits, je vais faire case par case. Et puis les prochaines toiles que je ferai, et ben faudra que je me délimite que je fasse sur plusieurs niveaux. Voilà. Ensuite, j'avais commencé à faire un châle granny avec ça, mais je ne retrouve pas le crochet avec lequel je l'ai fait. Je sais que j'ai un crochet numéro 3. Mon numéro 4, je ne l'ai pas là, il est sur mes projets. Dans les crochets que j'avais sur ma collection crochets faciles, j'avais les crochets de numéro 2, j'avais le 3, le 3,5 jusqu'au 10. Donc le 2, le 3, le 3,5, le 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Après le 7, le 8, le 9 et le 10. Descends. Et mon numéro 3, impossible de le trouver. Alors comme je sais que je m'en étais servi pour commencer un projet avec ça, et que j'avais posé sur ma tablette à dessin, et que mes chats, ils montent sur le meuble, et puis qu'ils ont dû me le faire tomber, faut que je tire les caisses et le meuble à roulette pour voir si c'est pas tombé derrière. Parce qu'il y avait des marqueurs aussi, je crois qu'il y en a un qui est tombé derrière le meuble. Voilà. Donc, je vous avais dit que j'avais commencé un châle virus avec ça. Avec la laine kawaii de chez Lydia Crochet. Donc, celui-ci, je vais le défaire. Parce que ça va me prendre trop de laine. Je vais le défaire. Et du coup, j'ai entamé une autre pelote. Donc du coup, j'étais obligée de prendre mon crochet numéro 3 comme ça. Voilà, parce qu'il est en métal au bout, en inox métal, je crois. Et j'ai commencé avec cette couleur-là, puisque je l'ai en jaune, en marron. J'ai dit, bah, avec cette couleur-là, elle est vraiment bien, très bien adaptée en la crochetant avec du 4,5, pas du 4. Parce que normalement, le châle Canada, on le fait avec du crochet 4. Ruby, arrête.
Donc du coup, en le prenant avec du 4,5, même avec du 4, mais bon, ça dépend des laines, c'est beaucoup plus souple. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Le jaune, il est dans mes projets en cours. Donc j'ai commencé celui-ci, j'ai fait un peu de ma broderie. Arrête, je vais mettre un marqueur là, comme ça évitera que mon fil que ma boucle se défasse. Donc petite astuce, quand vous commencez un projet au crochet ou au tricot, au crochet surtout, et ben mettez un marqueur dans la dernière maille de votre travail pour éviter que vos brides ou vos demi-brides ou vos mailles serrées se défassent. Voilà pour ça. Je sais plus où mettre mes affaires avec elle là. Donc là, soit je vais rajouter par rapport. Alors, je vais vous montrer un projet. Du coup, j'ai recommencé un châle granny avec le crochet, avec un crochet dentelle, le crochet numéro 2, c'est le plus gros. Voilà. Et là aussi, je vais mettre un marqueur, mais j'en ai pas sous la main. Du coup, j'ai fait tout ça avec la pelote de laine. De cette couleur, j'ai la valeur de 3 pelotes de 280 mètres dessus. Voilà, donc je vais finir la pelote pour voir la grandeur que ça va être, parce que c'est fait avec un crochet dentelle. Et là, donc je fais chaque granit et tous les 20 rangs, j'ai calculé, là j'en ai que 19, 18 je crois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il m'en faut encore 2 pour faire 20. Et quand j'aurai atteint mes 20 rangs, je ferai un tour de bride. Je ferai un rang de bride. Voilà, je ferai un rang de bride. Un rang ou deux de bride. Et je reprendrai 20 rangs de. Oui, je ferai sûrement deux rangs, un rang ou deux de bride. Et après, je reprendrai 20 rangs de granit, 2 rangs, 1 ou 2 rangs de bride, 20 rangs de granit, et ainsi de suite, tout le long du châle. Voilà. Et j'avais pensé. Oh, mais elle est saoulante, elle, avec ses cheveux. Descends! Une fois que j'aurai fini cette couleur, j'ai d'autres pelotes où il y a du vert dessus. Alors, j'avais envie de mettre soit les autres pelotes où il y a du vert dessus, et aussi y mettre celle-ci parce qu'il y a du rose et du violet. Comme ici, vous voyez, il y a du rose et du violet. Voilà, mais je ne sais pas si ça va aller. Voilà. Je testerai sur un rang ou deux. Si je vois que ça ne va pas, je déferai les rangs que j'aurais fait. Voilà sur mes projets. Donc, sur le châle. Donc, c'est un châle granny. Et sur mon châle, ça, c'est un châle Canada. Voilà, hop là. Hop, j'en ai plein qui sont commencés, mais. Ça va venir là. Donc celui-là, je vais le défaire quand j'aurai un petit moment, peut-être ce soir. Je vais aller ranger ça. Et je reviens tout de suite. Donc ça, c'est à défaire. Ça, je vais le ranger là-dedans. Voilà. Mes marqueurs, ils sont là. Alors, j'en ai un que je vais vous montrer tout de suite. Appuie-toi! Ils sont chiants les chats là. Toujours quand je ne suis pas en grande forme, qu'ils sont tout le temps sous mes pattes. Donc sur celui-ci, le chat que je suis au crochet au 4,5, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ai fait 2 ronds ce matin. J'ai terminé un rond et j'en ai fait 2 autres. Voilà. J'ai oublié de prendre les marqueurs, mais c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure quand je vais aller me mettre sur mon lit, comme ça je serai mieux. Voilà. Pardon. Voilà ce que ça donne. Très jolie couleur. Donc quand j'ai vu la couleur que ça faisait avec celui-ci, j'ai dit ben, pourquoi pas la orange de faire un châle Canada, parce que je trouve que la laine caméléon, elle est mieux adaptée pour faire des châles Canada. Que des châles virus, voilà. Voilà ce que j'ai fait ce matin. Ensuite, hier, j'en ai fait pas. Alors celui-là, il vient ici. Je repique mes crochets dessus parce que voilà, celui-là, il vient là.
Et celui-ci, il vient avec celui-là. J'arrive pas à retrouver mon crochet numéro 3. Je sais que j'en ai un. Alors, je ne sais plus s'il est rouge ou s'il est orange. J'ai travaillé, vous savez, sur la laine de chez Action, celle que j'aime pas, là, qui a couleur de rouge, couleur vin, là. C'est la deuxième pelote. J'ai commencé la deuxième pelote. Alors, je ne sais pas. Donc là, j'ai commencé ma deuxième colonne, ma deuxième pelote vers ici. J'avais la moitié d'un rang qui était commencé. Alors, je vais regarder de l'autre côté. Ce sera mieux. J'avais la moitié d'un rang qui était commencé. Voilà, ici. Un petit bout de rang qui était commencé. Et 4 rangs supplémentaires. Donc, sans compter celui-là. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait, j'ai même fait plus que ça. J'ai dû faire 3, 4 rangs. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le bas. Le bordeaux là, le orange, le jaune, le rouge cerise, on va dire rouge, rouge pomme, rouge cerise, voilà, et après le rose, et là j'ai repris, parce que ça, cette couleur là, c'est la couleur qu'on a ici, et ça c'était la couleur qu'il y avait à l'intérieur de la pelote, ce qui fait que j'ai commencé par celle-ci, j'ai continué par les autres, et j'ai fini par celle-ci, et comme l'autre couleur, elle commence très peu, elle commence comme celle-ci. La deuxième, elle commence comme celle-ci, un tout petit bout comme ça. Après, c'est vrai que la première pelote, je l'ai utilisée, j'ai défait et il y avait des nœuds, donc j'ai coupé. Mais ça commençait par cette couleur-là, mais je pensais pas, j'avais peur de ne pas avoir assez pour faire des rangs entiers. Donc du coup, j'ai commencé par la bordure de la pelote ici pour finir à l'intérieur. Voilà. Je pars d'ici pour finir avec le bouquet à l'intérieur. Voilà. Donc celui-ci, je voulais le faire partir en pointe comme un triangle. Voilà, il part en pointe comme ça, mais je voulais faire à partir d'ici, là, parce que je suis arrêtée juste ici. Je vais finir mon rang ici. Et quand je vais arriver ici, je vais tourner et je vais faire des diminutions pour que ça parte en pointe comme ça ici, de l'autre côté. Voilà. Mais j'avais envie de faire des diminutions que d'un côté. Ouais, je vais faire des diminutions que d'un côté. Voilà. Donc la dernière fois que j'ai fait la vidéo avec vous, j'en étais sur cette couleur-là, ici, et je commençais à peine celle-ci. Donc depuis, j'ai fait, mettons que j'ai fait 2-3 rangs sur celle-ci, on va compter 3 rangs. Donc, 1, 2. Alors, 1, 2, 3. On va venir ici, on va dire que j'ai commencé à partir d'ici. Oui, parce que j'avais fini avec vous cette partie-là, je voulais la finir avec vous. Donc j'ai recommencé à partir de celle-ci. On va dire que j'ai commencé celle-ci à partir d'ici toute seule. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma pelote. 1, 2, 3, 4 rangs avec la moitié. Voilà, d'ici à ici. Voilà. Et j'ai entamé ma nouvelle pelote. Donc la nouvelle pelote, je l'ai entamée. Je l'ai commencé la nouvelle pelote par là. Je sais qu'on le voyait hier. Alors, que je dise pas de bêtises. Je l'ai commencé en rose. Ça se voit normalement. Parce que ça fait un endroit où c'est beaucoup plus épais que d'autres. Et là, parce que je veux le voir, je ne le vois pas. Je vois pas où j'ai commencé. Hier soir, ça se voyait bien la lumière du plafond. La lumière avec l'anneau lumineux, pardon. Je l'ai vraiment bien pris. J'ai hyper mal à la tête, là. J'ai dit, je ne vais pas vous laisser une journée supplémentaire sans vidéo. C'est par là que j'ai commencé. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit truc bleu ici, mais ça y était déjà. C'est dans la pelote, je pense. Voilà, je vais l'enlever. Ouais, c'est par là que j'ai commencé ma laine, ma deuxième pelote. C'est vers ici que j'ai commencé ma deuxième pelote. Donc j'ai fait un rang et demi. J'ai fait un rang et demi. Voilà. Donc, est-ce que je continue toute la pelote? Il va être hyper large de ce côté.
Et c'est pas le but, j'ai pas envie, j'avais envie que ça fasse un peu comme un châle triangulaire en pointe. De ce style-là. Alors, est-ce que je vais avoir mes papiers? Après, je vais les mettre sur mon lit. Je vais essayer de manger quelque chose un petit peu. J'ai marqué l'adresse du dentiste. Voilà, je voudrais que mon châle parte en pointe. Comme ça. Mince. C'est pas comme ça. Je vais prendre. Alors là, on part de la pointe comme ça. Voilà. On part de la pointe comme ça ici. Alors, vous n'allez pas le voir. Je cherche un crayon plus foncé. Je cherche un autre crayon. Mes crayons, ils éclatent presque plus. Je vais prendre un feutre. Je vais prendre un bleu et je vais prendre un rouge. Voilà, je vais prendre un crayon là, c'est pas grave. Alors, sur la première partie, bon, mon dessin n'est pas bien fait. Hein. Je vais le faire ici. Oui, c'est pas du rouge, c'est du orange ou du marron. Donc, sur la première partie que j'ai déjà faite, je suis partie de la pointe et je suis allée en évasant comme ça. Donc, moi, je vais le faire plus petit que l'original. Donc, je suis partie de la pointe ici. Et je suis partie en augmentant comme ça. Et je pars en augmentant comme ça. Vous voyez, je suis partie de la pointe ici en augmentant comme ça vers le haut. Sauf que maintenant, je voudrais que mon autre partie là, je fasse des diminutions pour que mon autre partie parte en pointe comme celui-ci de l'autre côté. Je l'ai fait trop grand, c'est pas grave. Je vais reprendre à côté. Là, du coup, je vais faire une petite augmentation par là. Voilà. Comme si je faisais des augmentations. Et je veux repartir en pointe comme ça. Voilà, je voudrais que mon châle il fasse comme ça. Je suis partie en pointe comme ça, là et là. Et là, je voudrais que ça parte en pointe comme ça, mais faire les diminutions que d'un côté. Parce que ici, ça serait. Ici, ça serait pas en biais comme ça serait droit. Comment j'ai fait, comment je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, si je diminue que d'un côté, si je fais mes diminutions que d'un seul côté, il y aura une partie qui sera toujours droite ici et l'autre partie qui sera en pointe. Voilà. Je sais pas, je vais voir. Parce que moi, si vous voulez, au départ, vu que mon châle il part en pointe comme ça, arrête, je voudrais que ça fasse un triangle comme ça. Il n'est pas droit à mon triangle, hein, pardon. Il n'est pas droit. Pas grave, c'est un vieux cahier. Voilà, je voudrais. Arrête! Je voudrais que mon châle, quand il part en pointe comme ça, il s'en va en pointe comme ça. Tu arrêtes ou je vais me fâcher. Voilà, il s'en va en pointe comme ça. Et je voudrais qu'ici, il y ait une pointe là en bas. Donc là, je vais le remonter un tout petit peu. Voilà. Je voudrais que ça soit droit ici. Vous voyez? Je voudrais que mon châle parte comme ça. Je suis partie de cette pointe-là et je vais en évasant comme ça. Et ici, je voudrais faire des diminutions. Faudrait qu'il reste droit comme ça. Arrête! Donc pour bien aller, il faudrait que je continue en évasant comme ça. Je vais voir. Vous voyez, moi je voudrais que, au lieu que ça donne ce que ça donne là, une fois qu'il est fait, pousse tes fesses. T'as qu'à te pousser, je te passerai pas. Allez, toi. Voilà. On a commencé par cette pointe-là. Et là, on est en côté droit. Vous voyez?
on part de la pointe en bas et on va en augmentant chaque côté. Donc là, pour qu'il fasse bien le triangle, faudrait qu'il parte en pointe comme l'autre. Voilà, faut qu'il parte en pointe comme l'autre. Donc il faut que je fasse des diminutions de chaque côté. Enfin, que d'un seul côté. Voilà, faut que je fasse des diminutions que d'un seul côté pour qu'il reste toujours droit et que ça fasse qu'une pointe ici. Voilà, faudrait que je fasse des diminutions que d'un côté pour que ça fasse en évasé comme ça, du plus large au plus petit que d'un côté. Donc je vais voir, je vais tester, puis on verra bien ce que ça donnera. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Je voudrais que en partant d'un châle qui part d'une pointe comme ça, il finisse en pointe comme ça. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis partie d'ici, j'ai augmenté des deux côtés ici, mais là, à partir de maintenant, pour qu'il reste en triangle comme ça, il faut que je diminue que d'un côté et que je continue tout droit de l'autre côté. Normalement, c'est ça. Je suis pas très forte en dessin. Il y a longtemps, j'ai pas fait de dessin. On verra bien, je testerai et puis on verra ce que ça donnera. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer. Donc ça, je vais aller le ranger. Généralement, je le fais le soir celui-là parce que les couleurs sont vives. Généralement, que ce soit du tricot aux aiguilles ou du crochet, le soir, je tricote que des couleurs qui sont assez claires. Parce que dans celle-ci, là, quand je les ai fait, les foncés, là, le soir, quand je les fais le soir, je galère un petit peu. Il faut mon anneau lumineux à côté de moi pour éviter que je fasse du n'importe quoi. Donc, je vais ranger tout ça. Arrête! Voilà. Alors, au niveau coloriage, je n'ai pas fait de coloriage. J'ai une toute petite toile de broderie pointe-croix avec le lis, là, la toute petite qu'il faut que je termine. Parce que toutes les quatre premières toiles que j'avais achetées sur iWeezozal, parce que je sais, je les ai prises sur iWeezozal, c'est des Joy Sunday, j'espère que je le dis bien, et ben j'avais pris celle-ci, le lisse, le couple de cygnes, et puis le petit chat avec les marguerites, voilà. Et je les ai toutes commencées un petit peu. Bon, le lisse, il est pratiquement fini, mais il y a encore beaucoup, pas mal de travail à faire dessus, voilà. Au niveau d'épée, j'ai mon lutin sur le livre à finir, j'ai mon chat de Noël, j'ai le loup blanc et les fleurs, j'ai mes deux toiles défi, alors le cygne, le lutin de Noël, le lutin sur le livre, le chat de Noël, le loup blanc et les fleurs, ma grande toile défi Mario, ma grande toile défi sur les chevaux, les fleurs et le papillon bleu, le Tweety, la toile Yoshi qu'il faut que je commence au mois de juin, il faut absolument que je la termine avant le 30 juin. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma première toile des mésanges, mais je la finirai pas parce que les diamants tiennent plus collés, ils se décollent, dès que je la bouge, les diamants ils tombent, donc eh ben, elle partira à la poubelle. Ça m'embête parce que voilà, si je décolle les diamants que j'ai déjà collés qui tiennent pas collés, on voit plus les symboles dessous. Et puis j'ai la troisième toile les mésanges parce que j'avais racheté une deuxième toile les mésanges en diamant carré et j'en avais acheté une troisième et je l'avais pris en diamant rond. Donc je l'ai sorti pour la faire avec le loup blanc et les fleurs. Donc voilà, j'ai ma toile les mésanges diamant rond, le loup blanc et les fleurs, le lutin de Noël sur le livre, le chat de Noël, les fleurs et le papillon bleu, le Tweety, mes deux toiles défi Mario et les chevaux, et ma toile avec le Yoshi. Donc j'ai encore 9 toiles, j'en ai terminé pas mal, j'en ai terminé quelques-unes, mais j'en ai encore à nouveau 9. Donc la toile avec les maisons, je ne commencerai pas maintenant, de toute façon je l'ai sortie, mais je ne commencerai pas maintenant.
Je vais attendre d'avoir fini le petit lutin de Noël. Il ne reste pas grand-chose à faire. Hein. Alors, ici. Ici, j'ai mon lutin de Noël. Et j'ai. Alors, dans cette boîte-là, j'ai les diamants du lutin de sur le livre, pardon. Et là, le reste des diamants qui restent à poser sur mon chat de Noël. C'est les seules couleurs qui me restent à poser, puisque apparemment j'ai rangé les autres. Il me reste la couleur 2, 4, 5, 6 et 10. Puisque toutes les autres couleurs, je les ai finies, donc je les ai rangées dans leur sachet. Voilà. Et je garde cette boîte-là pour faire. Des fois, je peux mettre deux petits DP dedans. Voilà. Donc, je garde cette boîte-là pour les DP en cours. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, je voudrais finir le lutin pour pouvoir me servir des toiles, des boîtes pour finir faire les autres toiles. Et mon petit lutin, eh ben, j'ai avancé dessus. Il me reste encore. Alors, j'ai fait toute la, tout le jaune de la lumière derrière. Voilà. J'ai fait tout son pantalon est fini. Voilà, il me reste encore son corsage, son bonnet à finir, son visage et puis le livre. Voilà, c'est tout. Parce que là, cette partie-là, il me reste encore quelques diamants à mettre. Voilà. Donc, je vais peut-être en faire un peu ce soir si je ne suis pas trop fatiguée. Parce que j'ai rien mangé de la journée à part un yaourt et une chocolatine que le copain de mon fils, quand il est venu ce matin, m'a donné parce qu'il lui en restait trois. Donc une pour lui, une pour Dylan, et puis il m'en a donné une. Voilà. Donc j'ai quand même beaucoup de projets en cours que j'arrive pas à m'en sortir. Donc c'est pour ça que j'en avais des faits, mais j'en ai refait d'autres depuis. Voilà. Donc je vais... Je pense que je vais défaire tous les projets tricot, tout ce que j'ai fait aux aiguilles. Défaire tous les projets que j'ai commencé aux aiguilles et garder que ceux qui sont au crochet. Voilà. Parce que le crochet, ça va, j'avance beaucoup plus vite au crochet qu'aux aiguilles. Voilà. Je ferai d'autres projets aux aiguilles, mais beaucoup plus tard. Peut-être ben, l'année prochaine, puisqu'il y a le défi, les ateliers loisirs créatifs 2023. Voilà. Toi, tu m'embêtes là. Donc là, je vais essayer d'aller me faire un petit peu à manger. Essayer de manger quelque chose, mais ce que je mange, ça n'a aucun goût. Voilà. Donc, petite vidéo très courte, je suis désolée, mais je ne peux pas faire mieux. J'ai un short à mon fils à lui faire des ourlets, un pantalon de jean qui n'allait pas comme il voulait, ça n'allait pas comme il voulait sur lui. Donc, il a coupé le bas des jambes au niveau au-dessus du genou. Il faut que je lui fasse un petit ourlet pour pas que ça s'effrange. Et il faut que je lui mette les écussons que je lui avais cousus sur un de ses pantalons. Il les a enlevés. Il faut que je lui mette sur un de ses drapeaux qu'il a accroché à son mur. Donc ça ira plus vite parce que ça, je le ferai à la machine. C'est mon chat qui est fou. Ils ont des grains de folie, mes chats, par moment. Voilà. Donc, j'ai du linge emmené à la benne à côté. Là, sur le parking de Carrefour. Voilà. Je vais essayer d'avancer le maximum mes broderies et puis mes... Ouais, parce que l'on arrive en été bientôt et généralement la laine, j'ai du mal, je transpire beaucoup quand je tricote la laine l'été. Donc je vais finir quand même les projets que j'ai commencé et puis après on verra. Voilà. J'aurais aimé finir des projets crochets au mois de mai, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que d'ici demain, après-demain, avec le lysopaïne et le dafalgan, ça ira un petit peu mieux. J'ai des gouttes à me mettre dans le nez, mais comme il est bouché, ça sert à rien. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et je vous fais tout plein de gros bisous. Bisous, bisous.